Ça fait longtemps qu'Emily veut changer de look. La poupée a déjà préparé tout ce qu'il lui faut. Couvre sa tête avec du film plastique et une lingette séchée et un biblat de colle Elmer. La base de perruque est prête. Des extensions de cheveux bleus se sont transformées en un bob hyper sympa. Coupe les pointes. Les coiffeurs de Lalilou font toujours des merveilles. Ça va vraiment bien à Emily. Au salon Lalita, la coiffeuse s'inspire des looks dans les magazines de mode. Elle a toujours plein de nouvelles idées. Oh, on a une cliente. Hi. J'en ai marre d'être blonde. Regarde, tu vas trouver quelque chose là-dessus. Emily trouva quasi immédiatement une coupe. Assieds-toi. Thank you. Ta base de cheveux est nickel. Tout sera parfait. La coloriste se mit au travail. Mm-hmm. C'est une couleur pour toi. Wow. Oh, déjà? C'est incroyable! Maintenant, je vais devoir acheter des billets pour les Maldives. Je me vois déjà en train de surfer avec mes cheveux bleus dans le vent. Merci! Bye! Nikki s'ennuie. Elle est prête pour son relooking. Colle des mèches de cheveux violettes d'un côté et des mèches roses de l'autre. Brosse les cheveux et boucle les bouts. C'est une super coiffure. Aha. Nikki regarde plusieurs styles sur Internet. Le shopping et la mode, c'est un de ses passe-temps favoris. Il y a une nouvelle robe magnifique sur ce mannequin. C'est bientôt le bal de fin d'année. Je l'aime de plus en plus chaque jour et elle est assortie à mes cheveux. Nikki feuillette le magazine Vogue. J'ai l'air d'un top modèle moi aussi. Oh, les paparazzi, j'en ai marre de vos interviews. Ok, je vais me poudrer les joues. Ah, je suis tellement belle. Recouvre un demi-cercle de fil de fer avec un ruban de strass. Décore-le avec de gros cristaux sur les côtés. On dirait des oreilles d'elfe. Nikki emmène son chien Tori se promener. Elle s'assoit sur le banc pendant que son chien semble intéressé par quelque chose. Nikki se retourna quand elle l'entendit aboyer. Waouh, t'as trouvé un trésor ! J'ai vraiment l'air d'un elfe avec ce serre-tête. Et soudain, miracle ! Le serre-tête transporta la jeune fille dans une forêt magique. Et le chien se transforma en dragon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vient d'où ce bruit? Il y a une vraie fée assise sur une branche. Oh, la fée, c'est un rêve? Non, tu as utilisé la clé pour voyager entre les mondes. Mais j'ai rien fait. Et le serre-tête alors? Il contient le pouvoir des fées. Garde-le précieusement. Waouh, Tori, c'est une super trouvaille. On peut utiliser ces fleurs pour décorer une coiffure. Prends les pétales. Fais un bouton de fleurs au bout d'une brochette. Ces deux perles attachées à un lacet font un joli son quand on les agite. Et voilà la deuxième baguette. C'est facile d'attacher un chignon élégant avec. Lily adore la nature. Il y a des fleurs qui ont poussé sur sa robe. Les oiseaux sont ses meilleurs amis. Ils lui murmurent toujours plein d'idées. Cette fois-ci, l'oiseau lui dit comment fabriquer un accessoire pour les cheveux. Des branches d'arbres, des fleurs et un peu de créativité. Lily est aussi belle que Mère Nature en personne. Découpe deux morceaux de tissu blanc. Forme une base en fil de fer et recouvre-la avec. Croise les extrémités comme ceci. Ce joli bandeau va complètement transformer son look. Emily tient un journal intime. Elle écrit tout ce qui lui arrive dedans. Il est temps de se préparer et d'aller faire une promenade. Elle enleva sa robe de chambre et enfila sa robe préférée. Mm-hmm. Ce bandeau uni va bien avec tout. Elle doit juste mettre ses chaussures et son manteau. À moi les nouvelles aventures! Emily prit son sac à main et partit se balader. Prends des sequins sur du tissu doré. Plie-les en deux. Fais un petit bouton de fleurs avec une perle au centre. Un morceau de fil de fer permettra de les attacher dans les cheveux. Kim est folle de l'or. Regarde ces magnifiques pinces à cheveux. Elle pourrait compléter mon look doré, mais le prix qu'elle coûte. Je pense que je peux en faire des comme ça moi-même. Kim se rendit dans son atelier pour faire des barrettes. Elle fit de son mieux, mais ça ressemblait pas vraiment à ce qu'elle avait vu. Bon, j'imagine que je vais les acheter. Déterminée, Kim revint dans le magasin.
Je les prends. Tu veux les essayer? Pourquoi pas? Elles sont trop belles. Je vais les prendre. Merci pour tes achats. Bye. Bye. Fabrique des pièces pour faire un chapeau dans de la fausse fourrure léopard. Et maintenant, place à la couture. On a fait un chapeau super tendance. Cette tenue va trop bien avec ce sac à main. Wow! Emily est revenue pour acheter des accessoires. Cette fois, je cherche un chapeau. On a quelque chose pour toi. La vendeuse lui montra tout ce qu'elle avait. Mais Emily est une cliente difficile. Ce chapeau-là, je le veux! Oui, c'est ça que je cherchais. T'as de la chance, on a même un sac à main assorti. Thank you. Stacy suit toutes les dernières tendances. Cette fois, elle veut une nouvelle coiffure. Coupe des rubans roses. Stacy adore les idées originales. Mm-hmm. On a besoin de touches de couleur. Pensais même pas que tu pouvais rendre mes cheveux aussi longs. Les stylistes de Lalilou peuvent faire de vrais miracles. Stacy est une actrice célèbre. Ses cheveux attirent toute l'attention des réalisateurs. Aujourd'hui, elle tourne une pub pour des soins capillaires. Avoir des cheveux magnifiques, c'est facile. Comment je fais? J'utilise le masque capillaire et la brosse à cheveux de Lavien. Coupe du fil à broder rose. On a fait une base. Il ne reste plus qu'à coller les tresses dessus. Elles sont aussi longues que les cheveux de Réponse et tellement douces. Coupe les pointes. Ronnie est ravie. Et ça, c'est le plus important. Notre poupée stylée est venue dans un parc. Elle étendit une couverture pour pouvoir manger un peu et se mit à faire ce qu'elle préférait. Mm-hmm. Elle était très motivée et tricota une nouvelle coiffure. C'est juste superbe. Marie se prépare pour une fête costumée. Elle a choisi un costume de chat. Maintenant, elle doit se maquiller. Elle a presque fini. La tenue, la queue et le maquillage de chat. Son visage est parfait. Il manque quelque chose. Oh, les voilà, mes oreilles. Maintenant, ma tenue va impressionner tout le monde à la fête. Prends de petits anneaux métalliques. Attache-les dans des tresses. La styliste a trouvé une idée sympa rien que pour Nikki. Regarde-toi dans le miroir. Wow! Nikki adore. C'est mieux que des élastiques colorés. Maintenant, c'est l'heure de choisir une tenue. Je vais essayer cette robe. Super! Ma nouvelle robe de soirée est parfaite. Ça te va vraiment bien. Merci, je te recommanderai à tous mes potes. Bye! Découpe un cercle dans du papier mousse rose pailleté. On a la partie inférieure. Maintenant, ajoute un cylindre et couvre le sommet. On doit décorer ce chapeau. On a tout ce qu'il faut. Tout le monde adore cette tenue. Il y a une nouvelle cliente au magasin d'accessoires. Hi. Je vais à un grand bal mondain. Et j'ai besoin d'un chapeau pour cet événement. On va commencer par des modèles basiques. C'est trop banal. Deuxième tentative. Ça va toujours pas. Mais la cliente adore le troisième chapeau. C'est exactement ce qu'il me faut. Carrément, c'est magnifique. Parfait, je le prends. Amy en a marre de ses cheveux blonds. C'est pas mal, mais je veux quelque chose de nouveau. Elle prit une douche, mais il y eut un incident bizarre concernant l'eau. Quelqu'un a renversé un seau de paillettes dans le château d'eau de la ville. Et maintenant, il y a des paillettes à la place de l'eau qui sort de son pommeau de douche. Emily ne remarqua rien. Elle enroula simplement sa serviette autour de ses cheveux. Elle l'enleva et, soudain... Oh, wow! Il est arrivé quoi à mes cheveux? Au moins maintenant, pas besoin d'aller chez le coiffeur. Emily conduit très vite. Elle doit rejoindre Nikki dans un café. Le vélo, c'est pas aussi rapide qu'une voiture. Salut, je t'ai manqué? Carrément! Les filles partagent leurs dernières nouvelles. Elles ont tellement de trucs à se raconter sur leurs astuces beauté. T'as aimé le look des filles? Si oui, lâche ton like pour cette vidéo. Abonne-toi à Lalilou pour connaître toutes les dernières tendances.